Bonjour amis youtubeurs, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo intéressante au point de vue réglementaire, c'est-à-dire que j'ai mis aux normes mon fusil Franchi AL48 en le mettant un 3 coups. Avant, j'avais sur l'ancienne carcasse, c'était une carcasse normale, standard, c'est-à-dire une carcasse à 5 coups, dont le tube permettait d'avoir 5 cartouches en charge. Donc pour éviter, pour être aux normes, j'étais obligé de mettre une tige plastique pour limiter la contenance du chargeur, pour être aux normes. Bon, extérieurement, le boîtier de mon ancien boîtier avait des défauts mineurs, vu bon, en fait que c'était une arme que j'avais acheté d'occasion pour les armes remis en forme. Donc, le principal intérêt étant que j'ai sur Nature AB, j'ai réussi à avoir un boîtier de vernis caron, enfin de fusil Luigi, Franchi fabriqué par vernis caron. Donc l'avantage étant qu'il est strictement identique au Franchi italien. Donc j'ai récupéré l'ensemble des pièces d'origine, c'est-à-dire le canon, le système de déblocage de culasse, la batterie, la culasse, les pièces internes. Et donc j'ai dû entièrement vider la culasse d'origine. Donc ça se fait relativement bien. Ce qu'il vous faut pour cette opération, c'est un marteau de carrossier, un chasse-goupille, un tournevis lourd pour pouvoir dévisser la vis de crosse, autant un peu de double écarant pour les vis récalcitrantes, et autrement des petits clous pour pouvoir faire chasse-goupille pour sortir les tenons qui tiennent les parties le système qui retient la carte de tube, et autrement le libérateur de caisse. Donc, cette opération, je ne l'aurais pas faite si je n'avais pas gagné pour 1€ la carcasse du Luigi Franchi fabriqué par Vernicaron, au limite à 3 coups. Donc, la seule différence est qu'au niveau de ce tube, il y a un autre tube qui est inséré, qui a été soudé par soudure par point, et donc qui empêche l'alimentation de plus de 2 cartouches dans le tube. Voilà. Autrement, l'un des rares avantages du fusil AL48, c'est que vous preniez chez Vernicaron ou chez Franchi, ils sont strictement identiques et les pièces sont compatibles. Donc, ce qui fait de ce fusil du fameux. Bon là c'est un peu, il fait froid donc ça condense un peu. Donc ce qui fait l'avantage de ce fusil, c'est qu'on trouve facilement les pièces détachées. Donc je conserve la carcasse. Éventuellement si je retrouve d'autres pièces détachées, je me ferai un deuxième fusil. Puisque bon, cet ensemble de carcasses est encore utilisable. Mais on note quand même qu'au point de vue finition, les carcasses de chez Vernicaron sont mieux finies. Voilà, c'est pas très lisse. Il y a une sobriété dans les marquages aussi, on voit que les marquages chez Franchi sont un peu plus violents, moins fins. Donc il y a chez Vernicaron un savoir-faire, il n'y a pas, il y a une mise dans le choix. Donc voilà, j'ai transformé Luigi Franchi pure souche en Luigi Franchi Vernicaron pour 1€. Bon, il faut que je sois honnête avec vous, pourquoi cette carcasse était vendue 1€? C'est simple, c'est que j'ai dû la repeindre en partie. Ici on voit qu'elle avait subi quelques petits chocs qui nuisaient à son aspect esthétique. Donc j'ai fait un poncé suivi d'une remise en peinture complète. Bon, ça ne choque pas parce qu'à l'origine les bascules de Vernicaron sont peintes puisque la bascule est en aluminium, ce qui permet à ce fusil de faire des fusils très légers. Bon, que dire de plus? Bon, ce sont des fusils agréables en chasse, légers, fiables. Hein. J'ai relativement peu de problèmes avec. J'en suis à mon troisième personnellement. J'en ai déjà vendu deux. J'avais acheté pour pièces restaurées, et là j'en suis à mon troisième. Donc c'est une mécanique assez sympa, fiable, robuste, bon, inspiré du Browning Moto 5. Donc, à comparaison, ici j'ai un Browning Moto 5, modèle 1904 ou 1902, c'est un fusil assez ancien. La version allégée de Franchi ou de Vernicaron, la 48, les deux fusils sont assez semblables. On voit bien qu'ils ont une longueur équivalente. Mais ici, on a une carcasse en acier, ce qui en fait un fusil très robuste mais relativement lourd. Et ici, on a un fusil qui a été conçu pour être plus léger, donc la bascule est
La bascule étant, comment ça s'appelle là, la bascule est en aluminium. Bon, tout ce qui est canonnerie est en acier et culasse. Et la principale différence avec l'Auto 5, c'est avec l'Auto 5, il y a le bouton pour soigner un peu de libération des culasses. Si vous appuyez sur le bouton pour soigner de libération des culasses, il y a un rechargement automatique de la cartouche, indépendamment du système de recul, puisque ici vous voyez, il y a un. Sous les culasses, il y a un tenon qui vient enclencher une cartouche, même s'il n'y a pas eu de départ de coup. Donc, même à vide, enfin, même sans presque pour ce mini-auto s'y franchir, il faut absolument mettre une cartouche ensemble, la tirer pour que ça cycle. Ici, avec l'Auto 5, vous avez une cartouche dans le chargeur, pour reculer la culasse, ça va charger automatiquement, pas besoin de tirer. Enfin, c'est la seule différence qu'il y a entre les deux. Le branding est beaucoup plus solide, on peut dire, beaucoup plus lourd. Non, ce n'est pas terrible. Ici, le but de la vidéo, c'était de vous montrer qu'on peut mettre aux normes un vieux fusil. Donc là, le fusil est bien à 3 coups. Tout simplement, j'ai changé la culasse, ça n'a pas coûté une fortune. Et voilà, c'est pas j'espère que cette petite bidouille de vidéo vous aura intéressé. Bon, personnellement, quand je chasse, je suis comme beaucoup, je préfère prendre un fusil plus léger. Parce que le Browning Auto 5 est un pur bijou. Mais si vous faites comme moi de la chasse, enfin de la pack mode, à la fin de la journée, vous sentez bien que c'est parce que l'AM48, qui est un excellent fusil, qui est assez semblable, hein, suivant qu'est-ce qu'on voit avec canon, mais bon, on a un peu comme le canon, alors qu'on fait. Donc ici, on a un canon qui fait 70 cm, et celui-ci aussi. On peut dire que Franchi s'est inspiré beaucoup de Auto 5. D'ailleurs, c'est un fort Franchi Auto 5. Ouais, bon, c'est tout le monde. Le mécanisme est différent, il n'y a pas de. C'est pas du tout le même mécanisme de l'intérieur. Voilà. Bon, ici on a un modèle ancien pour le 5, avec la sécurité du début. Et le système trop court, le 5 qui est le moteur d'alimentation de cartouche qui vous permet de changer de type de cartouche en cours d'utilisation. Ce qui n'existe pas sur le Franchi. Mais bon, on remarque quand même que. Les looks sont très similaires, Franchi s'est beaucoup inspiré de l'Auto 5 et de l'Auto 5. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cela vous a plu, et puis à la prochaine, au revoir.